Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est l'édition Chita, tant de nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Mette Info. Quelque chose à côté branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans fausse côté. À phénomène insécurité à prendre l'aune dans Port-au-Prince. Question kidnapping, non? Eh bien, c'est le ciel qui fait moun pa, monter par dos dans Port-au-Prince. Volume, non, la prend volume. Donc, après, donc, Zak kidnapping, ben, groupe bandit armé rentré dans l'église baptiste, première église baptiste, oui, la réunion à Port-au-Prince dimanche, côté Yotouye Pasteur, disons, Jack Silney Lafaye, avec Madame Ni, donc, dans papote l'église là. Faut que nous disions, eh bien, Zaksa, lui révolter conscience en pile secteur dans société haïtienne, non, principalement avocat, cap défendre prisonnier politique, qui fait qu'on est. Eh bien, Zak sa yo yo rive nan denye limite et mande population pour yo fè désobéissance civile pour forcer autorité yo pren responsabilité yo. SPNH 17 dénoncé vague persécution politique, li di SPNH la ap sibi, et pendant le fait qu'on est, li dénoncé tout, eh bien, gang armé yo ki ap ouvè koyo nan Port-au-Prince, kap sikule dans la ville là, eh bien, pire de passer la police, d'après Saint-Sidomon, eh bien, monsieur gang armé tellement à l'aise dans Port-au-Prince, eh bien, il y a aussi qu'il est pire bien dans la ville là, passer la police, puisque c'est yo qui remplace la police. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rencontrer, pour nous présenter. Édition Nouvelle ça nous préparer pour insécurité à l'y prendre une autre dimension dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Donc, c'est dans papote l'église baptiste rue La Réunion. Et bien, un groupe bandit armé rentré bien bonnet dimanche matin. Côté, yo assassiné Jack Silney Lafaye, 60 l'année, avec côté yo kidnappé Madame Ni, Marie-Marthe Laurent Lafaye. Donc, devant papote l'église là. Donc, il y a un pile réaction qui fait, disons, dans la société civile là. Contre Zak malhonnête terrible ça qui pas gain nom. Donc c'est plus passé yon douzaine moun ben bandi kidnappé dans région métropolitaine Port-au-Prince sorti jeudi pour arriver et pendant week-end. Donc gen journaliste culturel Franzi Siméon qui lui-même joine libération le dimanche après le fin passé 4 jours nan men bandi. Gagné artiste chanteur Monedji qui lui-même tout joine libération le ben 28 jours après les fins passé nan men bandi yo, après yo te fin rappel devant papote la kayli nan tabac. Donc gagné maître Marc Antoine Maisonneuve qui lui-même t'a opiné, qui t'a réagi sous vague insécurité ça à kidnapping qui blaye colle sous région métropolitaine Port-au-Prince là. Fait qu'on est, li gagné gros doute pour ce pas ben yon complot la police avec la justice nan pays d'Haïti cap alimenter phénomène insécurité ça qui a fini avec population haïtienne parce que les dit majorité ka kidnapping yo qui fait et ben c'est neg armé qui a circulé à bord machine qui gagne plaque service l'état qui fait yo. Donc dans sens ça maître Marc Antoine Maisonneuve mandé population pour le faire désobéissance civile pour et ben exiger autorité yo prendre responsabilité yo pour résoudre problème insécurité à kidnapping ça qui a fini à peuple haïtien. Nous invitons à suivre la déclaration maître Marc-Antoine Maisonneuve. Nous-mêmes, avocats qui sont préoccupés dans les affaires défense droit monde. Après toute lecture, toute analyse, nous estimons que les affaires kidnapping sont trop faciles dans le pays. Parfois, on se demande s'il n'y a pas des autorités judiciaires, s'il n'y a pas des autorités policières s'impliquant méchamment dans la production de ce phénomène. Ouais, l'enjeu, la police, on homme qui doit venir là, la machine plaque l'État, et puis il doit en aller le prendre, et puis il a la voix, un empathie. Regardez ce qui passé hier ou avant-hier, la rue de la Réunion. Yo rentre tranquillement dans Jol Palais National. Nèg yo enlevé moun, yo touye Jack et pas rien dit. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que journée jodi a là ça qu'a fait dans pays a la prolifération kidnapping, l'ambiance insécurité a
ou joindre complicité en pile acteur, ou joindre passivité en pile acteur, et que face à une telle situation, la population est obligée d'assumer ses responsabilités. L'homme nous l'oblige et assumer responsabilité là. C'est-à-dire, la question de désobéissance civile, c'est une opportunité que nous supposons considérer. Et par là, nous demander à toute population, parce que dans le cas de la guerre, il y a des gens qui ont lancé, nous demander à toute population pour nous camper comme un seul homme face à un phénomène méchant, criminel, ça, qui pour finir avec tout le peuple haïtien, nous demander à peuple haïtien l'enjeu qui vient là pour lui préparer, pour lui faire preuve d'obéissance à mot qui va lancer. Côté, nous pourrons faire preuve d'obéissance, nous pourrons camper machine, nous pourrons faire mobilisation, nous pourrons nous dire et demander à la population pour dans chaque quartier pour nous camper comme un seul homme jusqu'à ce que nous exiger que les gens qui ont compétence dans la matière, les gens qui ont attribution pour nous comprendre la nécessité pour mettre au point final à affaires kidnapping, à affaires insécurité qui a rongé le pays d'Haïti. Sous bon parle, il y a M. André Michel qui lui-même a parlé comme avocat, comme citoyen et non pas comme porte-parole secteur démocratique et populaire. Mais monsieur fait qu'on est, eh bien, et phénomène gang AMEA, c'est régime PHTK mais qui mettait le sous-moun dans le pays d'Haïti pendant 10 dernières années. Le régime non li passé sous pouvoir. Les mais yo constitué gang AMEA donc en fédération. M. André Michel fait qu'on est plus loin, c'est pour raison ça. Eh bien, l'Ikoué, directeur général à IPNH, Léon Charles, a gagné place li dans la tête de la police, puisque ils sont incapables. Dans ce sens, donc l'Ikoué, donc c'est plus gros malais qui est capable d'arriver au pays d'Haïti. Mais si l'équipe PHTK est arrivée à renouveler tête sous pouvoir dans le pays d'Haïti, encore, nous invitons sur la déclaration M. André Michel. Nous tous nous connaissons que notre pays Haïti a été gangsterisé pendant les 10 dernières années. PHTKistes, jovenelistes, ils ont tous marqué Jovenel Moïse. La politique qu'ils ont appliquée dans ce pays pendant les 10 dernières années, c'était une politique criminelle. C'était utiliser gangs pour prendre contrôle du quartier populaire. Nous tous comprenons, c'est Jovenel qui défend Genève. Bon. On ne peut pas parler mal des gens qui mourent, mais il faut toujours dire la vérité. Ça veut dire que ça, ça n'a pas vivre là aujourd'hui, hein, que la résultante de la politique criminelle qui a été menée dans ce pays par l'équipe PHTK et alliés. Et aujourd'hui, hein, nous demandons que des changements puissent se réaliser au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et pour son PAM comme citoyen. Pour nous, comme citoyens, pour nous, comme avocats, il est évident que le leadership de la police nationale d'Haïti a failli à sa mission de garantir l'ordre public. On n'a aucun problème avec M. Léon Charles. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Beaucoup j'aime rencontrer un jour dans la vie. On n'a pas un problème personnel avec lui. Mais la vérité, c'est que ça fait un bon bout de temps. Depuis qu'il dirige l'institution policière, il a totalement failli. Il n'a pas pu mettre de l'ordre dans la cité. Il n'a pas pu protéger les citoyens. D'ailleurs, même Jovenel Moïse n'est pas qu'à protéger. Et depuis le sang, en principe, il aurait dû donner sa démission. Parce qu'un chef de la police qui n'arrive pas à protéger le président, même s'il est un président de facto, c'est un chef de la police qui ne peut protéger personne. Si Léon Charles n'a pas protégé Jovenel Moïse, il n'y a pas moyen avec vous, il ne peut pas le protéger. Bref, il faut des changements au niveau du leadership de la police nationale d'Haïti. Et M. Ariel Henry, Premier ministre, doit assumer ses responsabilités. D'ailleurs, l'accord du 11 septembre 2011-2021 pour une gouvernance apaisée,
dire très clairement, faut gagner de changement, faut gagner trois lettres, faut gagner coup de balai qui fait au plus haut niveau de la police nationale d'Haïti, que vous prenez responsabilité. Nous condamnons ça à passer, hein, parce que le pays a pris en otage et des groupes criminels qui ont toujours été et qui sont encore à la solde de cette équipe qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui continue de créer le chaos dans ce pays. Il faut mettre de l'ordre et me dire nos bagailles. Le plus gros mal qui est arrivé au pays d'Haïti, c'est si c'est même Mounsaïo qui vient reprendre le pouvoir encore. Vous avez dit, si vous avez une prochaine élection, si le pays a 1000 chefs gang, 1000 assassins, 1000 criminels, la multiplier par 100 et d'Haïti a bien 100 000. Toujours question insécurité dans le pays d'Haïti, porte-parole SPNH 17, la Sensi Domon, en cadre d'une conférence pour la presse, journée. Lundi, à Port-au-Prince, dénoncé mauvais traitement compatriotes haïtiens yo ap sibi nan men la caille Tonton Sam nan pays États-Unis. Sensi Domon yon lot pa condamné, eh bien persécution politique SPNH 17 la ap sibi nan men politiciens qui politisé corps police la. Donc pendant le dénoncé gang Ameyo Lidi qui tellement à l'aise nan pays d'Haïti, eh bien, c'est yo-même qui a circulé et à l'aise, coublaise, yo tellement à l'aise, yo circulé pi bien dans la ville passé. La police, c'est yo qui remplace la police d'après porte-parole SPNH 17. Là, Sensi Domon nous invite à suivre la déclaration. Bagayo triste. Bagayo bon goût en mai. L'en mai ou fiel. L'on continue à pomper dans le gène. Si tout. Les n'a gardé façon que yo traité frère nou yo ak se nou yo qui courir à chercher un petit refuge la caille youn nan paysan mi nou yo et traitement ça que yo ba yo c'est des traitements inhumains bagala triste bagala révoltant nous SPNA 17 nous sentons que nous avons mangé, nous avons gardé pendant 9 mois. L'institution policière a traîné dans la boue. Nous avons demandé s'il ne va même tourner la boue. L'institution a perdu fierté, dignité. Et un haut état-major qui vient, qui retire, élimine même confiance population. Dans l'institution et confiance policier yo ak policier yo en dedans institution. 9 mois opération bidon, opération dramatique, opération résultat zéro. 9 mois que policier yo plus recherché, persécuté, arrêté en gros point de la loi et principe même qui se force institution. Tandis que bandi yo y a flané, y a ferraillé ou même senti que yo prend place institution policière. Au final, policiers démotivés, kidnapping chaque jour, moun ap mouri pa bal, fédération gang yo fait que des côtés moun pa ka même passé et population même aux abois. L'autre information, M. Arnel Rémy, yon avocat qui a défendu prisonniers politiques, yo annoncé donc yo jwenn yon lot ordonnance pour eh ben tribunal là capable tande à faire Abelson Gonegla. Donc journée mardi 28 septembre nan. Après a fait ça t'est renvoyé plusieurs fois à cause Jijio pas te présenté dans tribunal la maître Anel Rémy souhaité fois ça pas gagné donc blocage donc pour eh ben audition ça lui-même l'y fait pendant le mandé eh ben avec RNDDH organisme cap défendre droit monde avec OPC qui c'est Office protecteur citoyen pour yo accompagner Kadoa qui c'est batterie avocat cap défendre prisonnier politique yo. Dans le dossier Sila, nous invitons à suivre la déclaration de M. Arnel Rémy avec M. Marc-Antoine Maisonneuve sur le dossier prisonnier politique. Nous-mêmes, comme avocats, nous nous sommes rendus la semaine dernière auprès du doyen du tribunal de première instance et comme de fait, nous avions obtenu une nouvelle ordonnance
fixant la plaidoirie du dossier au mardi 28 septembre 2021 dès 10h. Donc nous espérons que toutes conditions, toute mise en place étant faite pour le dossier à plaider. Maintenant, reste à savoir que le doyen assume ses responsabilités et nous-mêmes au niveau du cabinet, et nous avons fait signification, tout papier qui est fait. Et particularité qui a pris dans le dossier, ça, au niveau du cabinet, nous avons demandé à l'OPC et au RNDDH de nous assister. Et pas plaider, on va plaider, mais ils devront se présenter pour s'assurer que les droits d'Aberson Gonègue, les droits de Renal Coutois soient respectés dans le cadre de ce dossier d'Abeas Corpus. Et j'en toujours dit, dans pile prisonnier politique, et nous-mêmes qui formons équipe ça qui prend la bataille pour libérer prisonnier politique, équipe ça qui prend la bataille pour contribuer à la réduction des tensions phénoménales, les détentions politiques prolongées là, nous déterminer plus que jamais pour nous avancer avec tout dossier prisonnier politique. Et je vous donne la garantie que nous allons faire de notre mieux, nous allons remuer ciel et terre afin d'offrir des plaidoiries de bonne facture et opter et arriver à nos objectifs qui c'est libération de tout prisonnier politique. Nous ne cesserons jamais de contribuer à la préservation de la Constitution et des lois de la République. Et c'est ça que fait, nous allons continuer à foncer. Et papita, que semaine ça, on va se retrouver par devant le doyen du tribunal du premier instant de Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, dans le but d'arriver à plaider l'habeas corpus en faveur des prisonniers Aberson Gonègue, Coutron, pas qu'être l'autre encore. Parce que je ne dis là, monde pas qu'à contrôler quantité. Jeunes garçons et jeunes femmes qui ont souffert dans le centre carcéral en tant que prisonniers politiques. Et au cours de la semaine prochaine, on se retrouvera par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le but de plaider l'appel que nous avons interjeté de l'ordonnance qui a été rendue injustement dans le cadre du dossier Daniel Bélizet, Pierre Kélix Sébénus, Paul Joannel et Lotio. Toutes mes soeurs, ce sont des prisonniers politiques qui ne pas commettre pièce péché, qui ne pas faire rien. Mais tout simplement, c'est des mounios qui sont victimes de la machination politique, d'une persécution politique. Et nous montrer ça déjà. Et nous vous donnons la garantie que nous parviendrons sous peu à obtenir la libération de tous ces prisonniers politiques. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous campé à l'édition. Information ça, nous remercions pour écoute et attention. C'était Amis Frère Met Info qui t'a observé. Nous cassons rendez-vous demain. Même la même chaîne, si papa bon Dieu content. À bientôt.